Une petite promenade à la fraîche. Allez les bébés, on va sortir du terrain. Allez, allez Ruby, hop hop hop. Ruby, allez. C'est bien les bébés, c'est bien les garçons. Les garçons, ils écoutent bien. Oh. Allez Ruby, voilà, c'est bien Nénette. Allez, venez. Là, c'est promenade, promenade. C'est pas comme si ils étaient sur le terrain et qu'ils faisaient en fait ce qu'ils voulaient. Ce que fait donc un petit peu Mademoiselle Ruby. Allez, Nénette, c'est bien. Tu vas, ma Kiki? Voilà, c'est bien, Kiki. C'est galope devant. Tu viens, petite Ruby? Oui? Et ma Kiki. Bon, ils courent aussi après les mamelles de Jojo, hein, quand même. Non, ils ont déjà mangé, mais c'est vrai que... Et ben voilà. Voilà, ben ça suit bien, ces petits bonhommes. Bon, on peut aller se promener avec des bébés en forêt, sans laisse. Ils ne vont pas s'en aller, au contraire. Ils ont bien trop peur qu'on les laisse. Et ça leur apprend le rappel, ça leur apprend à suivre. Tu viens, Ruby? C'est bien, les petits loups. Petit Rio? Yes! Allez, venez. Hop! Hermione, allez! On y va, Rio, ou je te marche dessus? Allez. Un petit bonhomme. Voilà. Petite promenade du matin. Ça, c'est le jouet qu'il faut faire avant l'accueil du chiot. Donc, c'est juste des morceaux de polaire qui sont normalement faits en natte, mais là, ils ont vécu. Mais bon, faut dire qu'ils ont déjà pas mal d'années. Puis, on va la refaire dès qu'on l'aura lavé. Parce que ça se lave très bien, c'est hyper costaud. Juste des bandes de polaire en natte ou en Scooby-Doo. Et là-dessus, merci les agilitistes. C'est eux qui ont eu l'idée. Donc on en fait plusieurs à la maison et on s'en sert pour quand les chiots commencent à mordre les pieds de table, les pieds de chaise, on leur donne à la place et puis ça fait vite l'affaire et ils comprennent ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Donc là quand même ils ont des bonnes dents. Hein, et pour une fois, Rio est très calme. Il est vers sa mère. Il vient de faire l'andouille dans les tapis de la maison, fatigué. Ruby qui a le dessus sur les deux frères. Robin y suit.
Rio qui vient piquer le petit bâton à Robin. Ben, il l'a eu. Mamie. Sort de la sieste. Tu y as un petit poussin? Allez, viens faire pipi. Voilà. On met un câlin vers Louise. C'est James, pas Louise. Ben voilà, James a piqué le coussin des chiots. Incroyable. Ça va, James? Même pas je t'ai vu. Robin, allez. Et voyou, et voyou. Allez, dehors, allez, hop, hop, hop. Tu viens? Tu nous fais entendre ta jolie voix? Robin. Alors, toi, t'es James. Pousse-toi, James, mamie, allez. Et terreur. Et terreur. Ils aiment bien leur boa, hein. Qui va gagner des deux petits mecs. Ruby, t'es en train de me manger les pieds. Ruby, elle adore les ballons. Et Robin adore mes doigts de pied.
Et mes fleurs, les nains. Ils ont un jouet à cordes, ils adorent. Ils se bagarrent avec. Chacun peut en attraper un morceau. Et ça grognasse. Hein. Et forcément, c'est Rio qui a gagné. Mais la partie n'est pas finie. Imiak, allez, file. Et ben voilà, il l'a encore eu. Ça, c'est comme le pompon à la fête foraine. On a quand même lâché le morceau. Bille est en train de lui régler son compte. Et pendant ce temps, le petit chocolat en profite. Et Robin, lui, il a choisi un autre jouet plus calme. Il a bien raison. Je surveille. Mais du coup, Robin en a profité pour aller chercher la petite balle à cordes. Ce matin, c'était matinée, toilettage, coupe des ongles, brossage, peigne, un petit coup de tondeuse aux fesses. Tout le monde s'est tenu tranquille. C'était nickel. Robin qui vient au câlin. On aimerait bien entendre sa petite voix, Robin. J'ai jamais l'appareil quand il faut. Petite voix de castrat, quand ça va pas. Ah d'accord, maman. Ils ont assez mangé, les gaillards. Robin ? Donc là, on est en train de faire le ménage avec le petit gars, ce qui n'est pas évident, n'est-ce pas, loulou? Un petit rubis. Non, rubis, on ne met pas la tête dedans. Chut, 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 non. Dis, ça, c'est le pro du ménage, celui-là. Allez, mettez en route le jet d'eau, ils vont adorer. Hé, petit nain. Attention. C'est bien ça, Robin, on n'a pas trop peur. Non, mais un peu l'écart quand même, hein. Bon, pendant ce temps, les deux terreurs font la bagarre à l'intérieur. Ça leur plaît bien sous les meubles. Ça les amuse.
forcément c'est Rio et Ruby. Ben, il est moins pour du jet. Hein, c'est rigolo. Hein. Donc, bon, ceci dit, c'est les deux terreurs. Ruby, t'es dessous là. C'est bien qu'il fait chaud, mais. La Rio est toujours à fond. Hein. Donc intéressant ça. Hein. C'est moi qui m'arrose. Petite douche, Rio. Écoutez les jolis cris de guerre. Et là, on remercie Jojo qu'à ce genre de cri quand elle joue, quand elle a peur, quand quoi que ce soit. Bon, là, je crois que je vais enlever ma gamelle d'eau avant qu'il y ait une inondation. Dites les nains de jardin, là. Et donc, ça, c'est le fameux cri de petit Robin. Toujours Ruby dans ses œuvres. En fait, il est planqué. Et voilà. Voilà. Ma castafiore. On en a en général une dans chaque portée, ou un. Et bien là, c'est lui. Voilà, tes nouveaux patrons vont être contents, ils t'ont entendu. Donc ça, c'est le cri quand on s'occupe pas de lui, quand il a envie de jouer ou quand ça. Même les autres le regardent. Bon, tu viens vers nous, Robin. Tu viens, petit Robin. Tu viens pas? Et terreur! Elle vient vite! Allez! Voilà, c'est bien! C'est bien, mamie! C'est bien, Coco! Ah oui, tout le monde radine! Oui, mais j'ai pas fini, les gars! Alors, il y a Ruby qui est en train de terminer la gamelle d'Hermione. C'est exactement les mêmes croquettes que les siennes, mais là, Hermione a fini la gamelle des chiots, comme par habitude. Et là, depuis 2-3 jours, c'est les chiots qui viennent voler la gamelle d'Hermione. Donc c'est les mêmes croquettes en plus grosses, même goût, même saveur, juste plus grosse et plus rigolo. Là, c'est Ruby qui est en train de terminer. Robin est repu, il roupille. Rio est parti vers sa mère, il en a déjà mangé un bon stock. Et Royal, le petit nain de jardin qui revient. Elle est laissée vide. Voilà. Comme quoi, même un tout petit chien peut manger des grosses croquettes d'adultes. Du moment qu'il y a des dents. Des bébés. Joe, viens là. Elki, Elki, viens là, allez, dépêche-toi. Viens vite, ma mère. C'est bien, ma nénette, c'est bien. Mais ils sont tous beaux, oui, oui, aïe, 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 aïe. Mon Dieu, ces petits polissons. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Auscultation de Rio.
Miak. Julio. Ils ont du répondant. C'est les petits gars. Ruby et Robin, ils songent quand même à manger. Qu'est-ce qu'elle mange, Ruby? Un bout de papier. Où c'est qu'elle a trouvé? Allez, de choco. Allez, Miak, file. Petite Ruby. C'est petite Ruby, ça. Petit Robin. Miak. Miak. Robin est en train de manger les oreilles de Julio. Robin. Robin. Rigole pas avec Ruby. Et bébé? Il sort plus Robin? Avec une plume de poule. Robin s'est caché avec son petit os derrière James. Hermione. Ah, pas content, pas content. Il a bien raison. Hermione est en forme.
Il se défend, hein. Au milieu, il se laisse pas faire, c'est bien. On va terminer sur une partie de jeu avec Hermione, toujours aussi délicate. Donc ils ont 8 semaines. En train de secouer Rio. On a Ruby ici, Julio et Robin. Ils sont en train de manger et de se purger avec maman. Imiak, Imiak, allez! Il y a beaucoup de jouets, mais rien de mieux quand même qu'une bouteille de plastique. Et surtout, les os à moelle. Ça, c'est rigolo. Ça les apprend aussi à partager. Tu fais doucement un peu, R. Bon, ben, la semaine prochaine, bon courage à tout le monde. Je sais qu'il y en a qui sont dans leur lit. On pense bien à eux. Et prenez bien soin de vous.